Oui, on démarre. Nescott, c'est mon frère, c'est bon? Oui. Très bien, parfait. Donc, Marc Vicom, merci d'être présent. Donc, Arna, c'est notre deuxième présentation au bureau du Sud-Est. Arna a une première présentation en fait, fin de la période de confinement. Barchaman, comme management cher, donc, et on a une deuxième présentation. Donc, je me présente, je suis cofondateur de JuryDoc, donc la plateforme documentaire, donc de texte réglementaire. La présentation en Lina Nouvelle Lyon, c'est dans le cadre du partenariat Lina compagnie des comptables au niveau national. On n'a pas eu la chance de chez Jiu Bardet comme début d'année qui m'a amené à faire parce que tout nous sommes le style. Donc, nous devons la présentation à distance ou, Inch'Allah, donc prochainement, qu'on va parler comme sur place. Simon est en train de nous rejoindre. Donc, une présentation entière, en fait, je vais vous présenter les différentes rubriques de la plateforme, la logique de fonctionnement et surtout la logique de recherche sur la plateforme, ou l'intelligence autour des documents. Et du coup, l'intelligence, comme une intelligence automatisée chez tous les documents et pour vous permettre d'avoir une meilleure productivité au niveau de l'utilisation de la plateforme. Donc, la plateforme interne à Lyon, elle se présente sous forme de modules. Les modules de Lyon, le fiscal, social, l'investissement, foncier, banque échange. Et les textes de base, les textes réglementaires de base, ils vont essentiellement les codes transversaux. On va voir des exemples qui fichent. Enfin, le fiscal, dans le cadre des réprimandes, tout ce qui est amende, pénalité, etc. Là, j'aime tout ce au pénal. Et donc, ça en fait référence des fois dans des textes. Fiscaux, ils font référence au code pénal. Donc, avec un je fais les codes, je t'offre entre autres le code pénal. Il n'est pas forcément lié au fiscal, mais c'est un texte transversal. Donc, avec un je dans chaque sous-catégorie, dans chaque catégorie, c'est un point, donc, femme a des sous-catégories, tenant compte de la hiérarchisation du droit. Il y a des mêmes codes, les lois de finances, les lois, les décrets, les arrêtés. On a aussi les textes d'interprétation qui m'a les prises d'opposition, voilà les notes internes, voilà aussi la jurisprudence. Donc, dans chaque sous-catégorie, la jurisprudence fiscale, la jurisprudence sociale, donc l'arcane charlia ou l'HTMI. Donc, la présentation. Quel utilisateur, il a la possibilité de chercher le module qui l'intéresse. Il a le fiscal bac ou la social bac, ou il a le code, bien sûr, en fonction de l'utilisation. Sachant que, on va dire, le trio de modules les plus utilisés, le fiscal, social ou investissement. Et donc, essentiellement, les trois modules qui sont statistiquement les plus utilisés les abonnements qui ont été activés. Sachant qu'on a actuellement 400 utilisateurs membres de la compagnie qui ont adhéré à JuryDoc. La présentation des catégories sous-catégories des modules. Avec la possibilité de faire une recherche directement mais la page d'accueil. Il y a un mot-clé
et je lance ma recherche, là je n'écris un mot-clé et je précise fin hab lawj. Afanan hab lawj ena fi suspension de la TVA soit dans toutes les catégories ou ana najem nqoul ena hab lawj kan fi les prises de position. D'accord. Donc qui lawj yani le mot clé hada mchi lawj li kan fi les prises de position à kara. Sinon, et d'accord, je ne précise rien, mais là où je fais des catégories de code, où il y a-t-il une part des résultats. On va voir. Je ne vais pas lancer la recherche, ça va. Mais attendons le bar de faire à mesure. Donc, on a une rubrique aussi qui est accessible sur une page d'accueil, les paroles d'experts. On donne donc la parole à des experts. Qui est expert, pas forcément expert comptable. Donc, je suis un avocat, je suis un commissaire au compte, je suis un expert économique, etc. En fait, c'est les experts qui prennent la parole sur des thématiques qui peuvent concerner les professionnels qui font tout le monde. Et sur les articles, nous avons dit que le dernier article est là de. Il y a des références au texte, ou sur l'article, il y a bien sûr qui est référence au texte, il y a directement le texte en question. Donc, EDA, c'est une rubrique plus de partage de connaissances, mais bien les professionnels. Et merci, on a fait l'écouteur avec une année. Oui. Oui, ça marche, je pense, Elsoël. Je apparemment, micro mahloul, je pense que. Donc, nous y donnons un tout choya. Donc, la page d'accueil, on met les dernières mises à jour. Les mises à jour, ce sont des mises à jour en continu. Des mises à jour, donc, les mises à jour, ils concernent les textes et le jeu. Quand le meilleur texte, je dis. Quand on met une autre plateforme, qui est un texte que je dis, il y a un texte que je dis, mais il y a un texte qui a une prise de position, ou elle a une note commune, ou elle a une note interne, etc. Donc, il y a donc des ajouts. Quand on met des documents. Qui m'a dit, on a des mises à jour sur des anciens documents. Et disons, maintenant, il y a des textes, comme en 2016, 2017, 2018, etc., qui sont toujours valables, et ils sont en vigueur. Mais on les rajoute au fur et à mesure. Ou elle a un décret, il y a l'arabe, il y a quelques jours, il y a le français, etc. Donc, c'est de la mise à jour. Alors, on a un texte, on les gère en multilingue. En français, en arabe, ça rentre à des textes surtout en anglais. D'accord? Donc, on va revenir un peu à la recherche. Il y a une recherche qui est en arabe ou en français. Suspension de la TVA. Et maintenant, je vais vous donner un clavier intérieur de l'arabe qui est en arabe. Je peux me contenter de ça. Je suis obligé de mettre le texte Kim. Donc, je vais mettre le tawqif de l'amal de l'adé. Donc, il y a qui me trouve la wajd de l'arabi pour atteindre les résultats. Qui atteint les résultats, et là je me connais les résultats, et là je me connais le français. Qui me connaît, je me connais le l'arabi. D'accord ? Donc, on va faire un la wajd de l'année fait les prises de position, et j'ai oublié les prises de position, et les archéos, t'as pris de façon générale. Mais, là, je me disais dans l'âge de le français. Next up, suspension. Ça prend nous.
C'est bon, on partage déjà. Donc, j'ai lancé la recherche. Okay. Donc, la recherche dans la suspension de la TVA. J'ai dit, en fait, les résultats. Il faut les faire toutes catégories. Je nomme les documents et les faire à l'expression en lien à la hausse. Donc, il y a 526 documents fiscaux, un document pour l'investissement, deux documents pour le banque échange. Une fois le fiscal, un des résultats, ils sont classés ou regroupés par sous-catégorie. Il y a une femme à 6 documents pour le code, 14 documents pour la loi de finances, 12 pour la loi, un arrêté et 444 prises de position. Par exemple, les lois de finances. Donc, elle a la ouche dans la suspension de la TVA. Il n'a jamais dit des textes fermes qu'elle met suspension de la TVA, qui m'a aidé. Qui m'a aidé à des textes qui sont relatifs au régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée. Allez, à la khater, la recherche interne, elle est basée sur un dictionnaire de synonymes. Il dit le mot-clé où il a où je fais des synonymes en termes, que ce soit en arabe ou en français. Il est certain de l'expression il a où je parle. Donc, par exemple, il a la suspension de la TVA, il a où je terme est à l'aide. Je clique sur recherche de l'expression exacte. Je ne m'en ai pas. Il y a l'expression qui est en acte, qui est exactement à la lettre près. Bonjour, la fait texte, je cherche qu'un texte avec. Si je ne précise pas, il y a l'expression exacte, il a aussi donc une expression large et une expression dans le même contexte, avec les mêmes synonymes. D'accord? Donc, il y a une expression large, j'ai mis 526 documents, qu'il y a une recherche de l'expression exacte, on a de la hausse. Donc, si j'ai des résultats différents, j'ai mis aqal. Donc, j'ai dit 450 documents. Allez, il va exclure les expressions dans l'âme, voilà les expressions basées sur des synonymes. Et juste pour expliquer la différence, Madine, expression classique là, et expression exacte. نجم نلوج زيدا par référence de texte. مثلا انا نجم نكون نعرف texte مثلا loi ولا décret. انا je connais la loi 2018-20 اللي هي la loi relative aux startups. انا نعرف la référence de texte. Donc نجم نكتب donc loi 2018-20 et جيب لي donc la loi 2018-20 اللي انا حاجتي بها. هذا اذا كان نعرف la référence. Mais je ne suis pas censé connaître la référence exacte. Najam Zeda, l'exemple est contenu Khafi, donc suspension toujours de la TVA. Najam Lawaj dans une catégorie bien déterminée. Najam Lawaj a des décrets il y a qui aura la suspension de la TVA. Najam Lawaj a des prises de position. Paul Artini. Les prises de position, il y a qui aura la suspension de la TVA. Je lance la recherche. L'année, je vois M. Gibli. Les textes, il y a 444 prises de position, il y a qui aura la suspension. Donc, mais Gibli, je le redis. Mais Gibli, je les autres catégories. Là, je suis là où je fais les prises. Après, le 29 octobre. Après, le 29 octobre. Donc, je par date. Je me coule les textes les charges au 2019. Donc, les charges au mabine juillet au janvier 2019. Je me chauffe des prises de position. Charges au date radical. Il y aura le mot-clé, il y en a là aussi. Nous avons 8 prises de position et nous avons fait date. Et nous avons fait un mabine janvier ou mabine juillet, donc 2019. Et là, qui fait que j'utilise la recherche avancée. Donc là où donc le mot-clé, je peux préciser un mot-clé avec un exact. Quand on a la référence de texte,
بيان سور انت باش تعرف لي زابريفياسيون اريتي تكتب ART وبعد تكتب موداليتي ولا لوا دو فينانس تكتب LF ولوا دو فينانس ايتترا دونك هذا بالنسبه لل ريشيرش ريفيرونس دو تيكست و نجم جو بو بريسيزي بار سو كاتيجوري باش ناخذ ان اكزامبل دو تيكست ناخذ لوا دو فينانس 2020 دونك كي ندخل انا دوكيومون ينجم يكون موجود بالفرنسي ينجم يكون موجود بالعربي دونك لهنا كي نكتب نكليك على AR يعطيني لا فيرسون بالعربي والا بالفرنسي يعطيني لهنا لو دوكيومون اوريجينال يعني دوكيومون اوريجينال شو معناها سي لو جورت اللي خرج فيه لوا دو فينانس وتنجم vous pouvez le télécharger et l'imprimer يعني تكليك على تيليشارجي هبطو هبط لك الدوكيومون اوريجينال انا توا لهنا في الدوكيومون اللي هو لوا دو فينانس كي نبدا انا جو نافيغ في الدوكيومون والدوكيومون فيه دي ليان فير دي ارتيكل في الكود ولا il fait référence à une autre loi etc donc les liens هذوما sont cliquables يعني يهزك directement le texte en question donc ما تروحش تلوج انت على la loi 2014-47 vous cliquez لهنا يهزك direct la loi en question mais في البارتي دروات هذه لهنا فما دو بلوك يعني important فما les documents faisant référence شو معناها يعني les documents اللي جاو يحكيو على la loi de finances 2020 ينجم يكونوا des décrets des arrêtés ou ينجم يكونوا des notes communes مثلا les notes communes اللي خرجوا اول العام يحكيو على loi de finances 2020 et qui font référence à des articles de la loi de finances 2020 تطرا موجود لهنا يعني انت ما تحطش تلوج على لي فماشي نوت كومون خرجت تحكي على loi de finances هذيك دونك تبدا تقرا انت في loi de finances الارتيكل لهنا لين ديريكت يهزك لي نوت كومون en question ça peut être note commune prise de position arrêté décret etc هذا le bloc اسمه les documents qui font référence يعني هما يحكيوا على loi de finances 2020 كي نعطوا لوتا عندنا les documents associés اللي هما les documents اللي loi de finances حكيت عليهم يعني هي elle fait référence les documents هذوما d'accord mais je vais vous donner un autre exemple donc toujours pour rester dans les lois de finances je pense que la granularité un peu fine. Là, j'ai listé les lois de finances. Fait le listing, là, sur le côté, il y a des FR, AR, etc. Je veux dire, il y a des documents, avant de mettre entre nous, il faut qu'ils soient en jeu pour le français ou pour l'arabe. Il y a des documents, il y a des documents en trois langues. Il y a des lois de finances qui sont là, loi de finances 2011, qui sont en français, anglais ou arabe. فما دي دوكيومونت راهو من الاول يخرجوا كان بالعربي برك من بعد يخرجوا ترادكسيون تاعها نرجع للاكزامبل اللي انا حبيت نوريه لكم دونك توجور دون لا لوجيك نتاع لا ليزون ما بين لي دوكيومون voire même la liaison مع لي ارتيكل انا تاع في لوا دو فينونس 2016 لارتيكل 16 في لوا دو فينونس 2016 سي ان ارتيكل اللي حكيوا عليه في الشابتر 4 الشابتر 8 في كود لا تي في ا شو معناها يعني كي يبدا فما ان ارتيكل سيتي دون ان اوتر دوكيومون وتبدا انت تقرا في الدوكيومون هذاك او الارتيكل اون كيستيون تلقى لين ديريكت يهزك للارتيكل داكور مي حاب نوريكم ان اوتر نوسيون اللي هي تري امبورطونت لي كود احنا عندنا لي كود الكل ناخذ بار اكزومبل لو كود دو لا تي في ا 2020 دونك احنا ديما تلقى لي كود qui sont en vigueur. Mais dans votre travail, là, je me trouve quand même besoin de chercher le code en 2019 ou 2018. Tu as fait une rubrique qui est un document abrogé. D'accord? Donc, document abrogé, qui est notre N à le code 2018. En fait, le code, là, il faut dire attention, alors le code là, il est abrogé. Et bien, je vais vous dire, je vais vous dire, il faut savoir que les documents abrogés, que ce soit un code ou une loi ou les conventions sectorielles et sociales, ils sont exclus de la recherche. Il y a une entité qui est là, il y a des documents qui sont en vigueur.
Bien sûr, quand tu as le code de la TVA en 2018, tu as le document en vigueur, tu as le rubrique qui est le document en vigueur. Il y a des documents éligés au bas de la version de l'INFA, NFI 2018. Les versions éligées au format sont en 2019 ou 2020. Tu as le document en vigueur, tu cliques sur le document 2020. Mais. Bien sûr, donc qui m'a les codes, tout, qui m'a les autres documents, je vais l'intégralité du document et le document original, vous êtes à télécharger. Je vais parler de la sociale où on a choisi les conventions cadres sectorielles. Donc, on a les conventions cadres sectorielles, les CLI, où tu as à jour avec les avenants et avec les. J'étais au jour interne. Maintenant, on a la convention HEDI qui régit le secteur qui est en train de faire. D'accord? Donc, je te le fais, la convention 4 de l'électricité électronique. Je te le fais, les différentes versions éligées au global. Donc, HEDI est la version qui est en vigueur. Les anciennes versions 2017, 16, 14, 13, etc. C'est la première version de la convention. La convention est en fait à Ottawa, donc elle a fait le mot de tardi l'inter. Donc, il y aura de ça, ou elle a fait le jour inter, qui est en vigueur. Quand notre en a lieu, on a un dossier, un CNSS, ou un contentieux client, etc., un salarié inter, on a fait la version 2016. Kif kif, je suis allé créer un document qui est chauffé à projet, ramadch en vigueur, ou qui t'a battu le temps, je te le fais, le fait comme ça, à date qui est valable en 2016, ou j'ai dit au jour qui était valable en 2016. Donc, il y a un article, dis-moi l'avenant ou les annexes relatifs à la version qui est chauffé. D'accord? On a une notion qui est très importante. Il y a juste l'année, document en vigueur. On a la notion de sauvegarde des documents et ce ajout aux favoris.